Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une vidéo sur Tokyo Revengers, sur l'arc Black Dragon. Donc je vais faire juste un résumé, je vais résumer donc ce qui s'est passé dans l'arc, en essayant de faire le plus condensé possible bien sûr, et plus tard dans une autre vidéo je pense que je vais analyser ça. Je vais analyser l'arc parce qu'il y a énormément de choses à dire, de choses intéressantes, et il y a d'autres parallèles avec d'autres arcs que j'aimerais bien faire, avec d'autres personnages, bref, il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur les personnages, sur le déroulé, bref, sur tout. Donc si vous kiffez, un petit like, un petit commentaire, et puis voilà, vidéo Tokyo Revengers sans force, c'est tout. Après avoir gagné le doux rang de capitaine de la première division, Takemichi va être confronté à une nouvelle épreuve, se rapprocher de Akai Shiba, qui est devenu quelqu'un de particulièrement dangereux dans le futur. Toutefois, c'est là que nous apprendrons à faire la connaissance d'un personnage qui a l'air tout sauf aussi exécrable que tel qu'il est décrit. Et nous découvrons également sa sœur Yuzuha pour la première fois. Autrement dit, sa mission est la suivante, faire en sorte qu'il ne devienne pas ce qu'il est censé devenir d'une façon ou d'une autre. Il est aussi réputé pour être très fort et est un fan inconsidéré de Mitsuya. On peut presque parler de la genèse du duo. C'est aussi la première apparition de Kokonoi dans le passé, celui-ci faisant également partie des Black Dragon. Pas très content de voir un membre du Toman, ils décideront alors de passer à l'attaque. Et comme rien n'est jamais aussi simple pour notre héros, c'est Taiju qui débarquera pour l'accueillir avec une belle corde à linge et une belle petite cantine. Nous faisons donc la connaissance de ce grand fou, le grand et impressionnant Taiju Shiba, qui n'est rien de moins que le président de la 10e génération des Black Dragon. Et on comprend très vite pourquoi rien qu'en le regardant. Une montagne de muscles au fort caractère. Évidemment, comme chaque nouvel arc, il se prendra une nouvelle rouste, s'attaquant non seulement au garçon, mais aussi à un membre important du Toman. Une sorte de déclaration de guerre, en somme. Taiju donnera l'ordre à son jeune frère de donner une correction à Takemichi. Naturellement, il n'est pas très chaud. La peur d'Akai est palpable. Il ne veut pas faire de mal à son pote, mais se trouve aussi terrorisé devant les exigences du géant. Yuzuha essaye donc d'intervenir, mais se fait frapper sans sommation. Jusqu'à maintenant, c'est le premier à lever les mains sur une femme, révélant en partie la dangerosité qu'il représente. Takemichi n'hésitera d'ailleurs pas à lui faire la remarque, ce que je définis personnellement comme une grande preuve de courage, et certains osaient encore critiquer Takemichi après ça. Mais où va le monde? Akai s'interposera très vite. Pour le faire cesser de le martyriser, il lui propose de quitter l'Ottoman. Heureux de cette conclusion, il lui lâchera alors la veste. Takemichi se rappelle alors des paroles de Kazutora, ce qui impliquerait qu'ils doivent commettre un fratricide pour régler la situation. Autrement dit, il doit l'en empêcher par tous les moyens. Shifuyu racontera également l'histoire des Black Dragon, du fait qu'il a ressuscité le gang pour en faire la génération la plus sanguinaire. Clarifiant ce point, Taiju nous est pointé du doigt comme étant sans limite dans la violence. Plus tard, Takemichi avoue à Shifuyu son statut de voyageur temporel. Cette révélation fait sens puisqu'elle permettra à l'un des duos les plus mythiques de prendre de l'ampleur. Désormais, les choses sont claires. Il devient plus qu'un allié de poids, il devient son ami, son bro, son confident. Grâce à ça, nous aurons droit à l'un des meilleurs échanges avec un Shifuyu qui le rassure. Seul, il a dû endosser plus de responsabilités que n'importe qui. Enfin, il termine avec la fameuse réplique. On est partenaire? Non. Deux jours plus tard, une réunion du Toman a lieu pour parler de l'humiliation qu'ils ont fait subir en s'attaquant à un capitaine. Akai profitant de cette rencontre pour annoncer son départ. Avec une succession de plans tous plus stupides les uns que les autres pour que Mikey refuse sa démission, Mitsuya demande de lui organiser une rencontre avec Taiju. Après un court flashback sur sa première rencontre avec Akai, nous le retrouvons donc en tête à tête avec le leader, il conclurant ainsi un marché. En leur laissant Akai, il doit laisser Yuzuha en paix, ce que Taiju accepte afin d'éviter une guerre inutile entre les deux gangs. Viendra l'heure d'un autre flashback sur la nature de Taiju, qui était déjà redouté et assez charismatique dans son enfance, pour rassembler des fidèles. Violent, il frappait sa fratrie lorsqu'il n'était pas à la hauteur de ses attentes. Il expliquera également que malgré ses promesses du passé, il ne les a jamais tenues et a continué de frapper sa sœur. C'est pourquoi il se promet d'y mettre un terme définitif en le tuant. Suite à cette révélation, Takemichi prendra la lourde responsabilité d'anéantir les Black Dragons. Dans la suite logique des choses, ils demanderont au reste du groupe de les aider à les pulvériser. Mais Draken refusera pour des raisons évidentes du fait qu'ils ont passé un accord. Accord d'idée, c'est à ce moment que Kisaki pointe le bout de son nez. Grâce à son ingéniosité et ses moyens financiers, le manipulateur extirpe des informations à Kokonoi pour savoir à quel moment Taiju se retrouve seul. En bon chrétien, il s'agit du 25 décembre, en conséquence de quoi Akai choisira probablement ce jour pour s'en prendre à lui comme le soulignera
Kisaki. En l'absence d'autres options, ils n'auront alors d'autre choix que de s'associer à lui en dépit des gros doutes qu'ils ont vis-à-vis de sa sincérité. Ensuite, Ina nous raconte le lien qui l'unit avec Kisaki, qu'elle a effectivement côtoyé lorsqu'ils étaient en primaire et qui le décrit comme quelqu'un de bien. Mais c'est surtout l'occasion de nous en révéler davantage sur un Takemichi qui jouait déjà au héros à cette époque, de quoi approfondir la relation qu'il a avec la jeune fille. Mais c'est alors qu'il décide de mettre un terme à sa relation avec cette dernière après avoir fait la rencontre de Masato Tachibana, qui en fera la demande. La réaction ne se fera pas attendre, laissant un Takemichi au bord des larmes. Par la suite, Kisaki explosera son plan qui consistera à prendre les devants en raisonnant à Kai. Comme convenu, le jour de Noël, tout se met en place. Shifuyu fait jurer à Takemichi d'honorer sa promesse en lui confiant la ceinture de cérémonie de Baji. Ils entrent alors dans l'église, trouvant Akai devant l'autel comme prévu. Takemichi lui explique qu'en se comportant comme ça, il ne fera que de rendre triste Yuzua. Au même moment, Taiju entre à son tour dans l'église, de sorte à ce que Akai se précipite vers lui avec un couteau en main. Évidemment, Kisaki avait prévu de les trahir depuis le début, c'est pourquoi il a bâillonné Shifuyu, ceci dans le seul but de se divertir de leur impuissance. À l'intérieur, Taiju parvient facilement à arrêter son frère et Takemichi. Devant sa supériorité et son manque de vigilance, Yuzua arrive cependant à le poignarder dans le dos. Sans pression, il répond alors par des coups et balance un banc à Yuzua comme s'il s'agissait d'une chaise. Elle finit ensuite par révéler l'implication de Kisaki, Takemichi comprenant que c'est elle qui a tué Taiju dans la chronologie originale et non Akai. Taiju révèle alors sa blessure en retirant son manteau. Celle-ci étant peu profonde, rien n'est perdu. Il s'apprête malgré tout à tuer Yuzua dans une planche qui est parmi les plus magnifiques. Il commence ainsi à frapper sa sœur à mort en la rouant de coups sans aucun scrupule. Takemichi demande à Akai de la protéger. Devant son hésitation, il se prépare à affronter le boss à sa place avec une autre planche mythique. Yuzua jure ainsi de protéger Akai. Mitsuya l'en empêche néanmoins en attrapant son couteau et en s'apprêtant à entrer dans la bataille à son tour. Dehors, Maeki se demande s'il a entendu la moto de Mitsuya. Pendant ce temps, Shifuyu arrive à l'église en expliquant les faits. Inupi prend Mitsuya par derrière en le frappant avec une barre de fer, ce qui causera son inconscience. Cela mettra en colère Shifuyu et Takemichi chauffés pour le second round. Mais Mitsuya n'est pas aussi fragile et reprend doucement conscience en les interpellant. Perdant espoir en apprenant que Maeki n'est pas en route, Takemichi s'effondre. Finalement, Akai et Mitsuya n'ont d'autre choix que de se battre contre Taiju, laissant Kokonoi et Inupi aux deux autres. Shifuyu et Takemichi luttent alors dans leur duel. Pendant ce temps, Akai est figé par la peur, le rendant incapable de quoi que ce soit. Takemichi empêche à nouveau Akai de poignarder Taiju lorsqu'il brandit l'arme en colère. S'opposant à Taiju, il se prend coup sur coup mais refuse d'abandonner quoi qu'il lui en coûte. Il sait que rien ne changera tant que le clan persistera. Akai lui hurle d'arrêter en prétextant que ça ne changera rien. Continuant malgré tout de se frapper mutuellement, la bataille fait rage. Si l'un semble prendre l'avantage, Taiju tombe néanmoins à genoux, à la surprise générale. Dans une énième planche devenue culte, Takemichi déclare que ce n'est pas de tout donner qui fait mal, mais la solitude. Par la suite, Akai avouera la vérité. Ce n'est pas lui qui protégeait sa sœur, mais elle, en supportant deux fois plus de coups. Ses amis tentent alors de le rassurer, surtout Mitsuya, qui lui parle du jour où lui aussi a été un lâche. Et dans une sempiternelle planche des plus sublimes, le trio de tête se dresse devant l'adversité en promettant de ne pas abandonner Akai. Grâce à ça, la détermination d'Akai est renforcée au point où il décide enfin d'affronter son frère. Shifuyu note le changement chez lui, mais Taiju l'assomme cependant rapidement d'un redoutable coup de poing. Yuzua craint pour leur vie et Mitsuya lui confie qu'il la respecte pour son sacrifice, mais que c'est désormais à eux d'agir. Nous avons droit à un nouveau flashback avec l'enfance de nos Shiba. Nous en montre davantage sur la violence de leur grand frère et le sacrifice de la jeune fille. Retour dans l'église où les Black Dragons prennent le dessus. Mais soudain, le son de la moto de Maeki se fait miraculeusement entendre, avant que celui-ci ne daigne entrer en leur souhaitant un joyeux Noël, tout sourire. Mitsuya s'excuse d'avoir rompu l'accord entre eux. Il s'inquiète également de son état mental quand il mentionne Shinichiro et Baji qui l'ont guidé jusqu'ici. Incapable d'attendre davantage, Taiju frappe ensuite Maeki de toutes ses forces pour l'assommer. Il se relève toutefois assez vite, mais Inupi lui conseille d'arrêter après s'être souvenu de ce qui s'est passé dans son cas, affirmant qu'il est à un tout autre niveau. Maeki avoue en revanche qu'il s'est laissé frapper pour se punir, et avant même que quiconque le réalise, Taiju est à terre. Après l'avoir vaincu, il montre le charme de Baji qu'il détient autour du cou, expliquant qu'il a le sentiment de rouler à leur côté chaque fois qu'il le porte, rassurant Takemichi sur son état mental.
À l'extérieur, nous découvrons aussi un Draken lumineux sur les marches de l'église qui a vaincu l'entièreté des membres d'élite à lui seul, voire une centaine. Ottoman sort de l'église en fêtant joyeusement leur victoire. Kokonoi et Inupi décident de quitter Taiju. Quant à Akai et Yuzua, ils ne lui céderont plus jamais quoi que ce soit. Plus tard, Ina confrontera alors son père et les deux tourtereaux finiront par se remettre ensemble. Le rapprochement est ensuite fait entre Takemichi et Shinichiro, mais Maeki révèle ses pulsions sombres et lui demande de le gronder en cas de besoin. Taiju quittera la maison familiale en reconnaissant que la violence n'est pas la seule voie, grâce à Takemichi notamment. En effet, le jeune garçon a réussi là où lui a toujours échoué. Ailleurs, et malgré la victoire inattendue du Toman, Isaki dit qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Le Toman pardonne à Akai, tandis que Kokonoi et Inupi rejoignent la première division sous les ordres de Takemichi. Et Maeki vire enfin Kisaki. Anma menace de partir en emportant tout le Mobius avec lui, mais il ne revient pas sur sa décision malgré les supplices du calculateur. Plus tard, Maeki offre une moto identique à la sienne à Takemichi, et ce dernier fait ses adieux à Shifuyu, qui lui dit qu'ils se reverront dans 12 ans. Takemichi retourne alors dans le temps et se retrouve bizarrement à un entraînement. Après coup, il réalise horrifié qu'il s'agit de celui de Mitsuya. Il apprendra plus tard que le meurtrier n'est nul autre que Maeki. Désireux d'en apprendre plus, il le retrouve aux Philippines comme l'indiquait la carte postale envoyée par ses soins. Il le retrouve et lui demande pourquoi il a quitté l'Ottoman, confiant avoir tué tout le monde. Takemichi essaye de le convaincre qu'il n'a pas changé, mais Maeki lui fait comprendre le contraire en pointant un flingue sur lui. Ses souvenirs le replongent à la fois où il a tué Akai et Shifuyu, celui-ci croyant fermement en Takemichi. Selon Maeki, l'un des deux doit mourir. Avant que cela ne dégénère, Naoto lui tire une balle dans la tête, mais remarque la sécurité de l'arme de Maeki, qui n'a donc jamais eu l'intention d'abattre le jeune homme, le remerciant au passage car Takemichi n'aurait jamais eu le courage de le tuer. Dans ses bras, ce dernier lui promet qu'il changera l'avenir. Il meurt ainsi. De retour en 2006 et avec l'aide de Shifuyu, qui est le premier à le revoir, il promet de s'opposer à lui afin d'empêcher ceci de se produire. Takemichi promet de rester jusqu'à ce qu'il devienne chef du Toman. Les deux spéculent à propos de l'implication de Kisaki par rapport au changement de Maeki. On retrouve ainsi ce dernier auprès d'Izana, qui lui demande pourquoi il veut le rejoindre. Il répond qu'il veut sa revanche. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai essayé d'être le plus condensé possible, de faire un résumé pas trop long non plus pour que ce soit le plus clair possible, donc j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me dire quel est aussi votre moment préféré dans l'arc et pourquoi il vous plaît tant que ça. Peut-être qu'il y en a qui ne l'aiment pas non plus, donc pourquoi, ce serait aussi intéressant. Je pense que beaucoup apprécient l'arc, c'est quand même pour beaucoup le meilleur arc de tous les temps, et je le comprends totalement. Bref, on se donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. A plus.